Désolé, fallait que je le fasse. Will a voulu nous mettre ça sur le dos? Will s'est excusé 5 secondes à peine avant l'explosion du musée et on diffuse nos têtes à la télé. On pense qu'un copain à nous était dans le bâtiment, il s'appelle Will Traveler. On a trouvé Traveler dans le musée, mort. Ceci aurait dû être détruit dans l'attentat du musée Drexler. Et qu'est-ce que c'est exactement? Will m'avait demandé de garder ça pour lui, il disait que ça pouvait vous être utile. Will et toi, vous étiez... Écoute, je sais rien sur Traveler. Tu mens. C'est Will? Nous venons de régler les derniers détails. À l'exception de Burchell et Fogg. Viens avec vous. Vous saviez qu'il était vivant? Disons que j'ai pas cru à sa mort. C'est pas celui qui nous intéresse. On a une piste. On a localisé un coup de fil passé à Kim Doherty ce matin. Ça venait d'un bled du Maine, Deer Harbor. On est sur le coup? Chambers a confié ça au gars de Boston. C'est la seule info digne d'intérêt qu'on a depuis New Haven. Boston est plus proche que nous, et nous taper toute cette route pour interroger 3 témoins, c'est moyennement productif comme journée. De toute façon, on a quelque chose sur le feu de notre côté. C'est quoi ce truc-là? Un mouchard électronique. Ils lui ont extrait de la jambe. Comment vous savez ça? C'est moi qui lui ai tiré dessus. Vous lui voulez quoi, Will? La fille à Deer Harbor, celle qui vend des bouquins. Elle vous a donné quelque chose? Qui, Maya? Je rêve, vous nous surveillez! Vous en aurez plus besoin de moi. Je parie que vous avez foutu un mouchard dans ma montre.
Juste pour info, on a failli rester je sais pas combien de fois. Vous étiez où, vous, bordel? On n'a jamais pesé dans la balance, pas vrai? On vous a juste servi à retrouver Will. J'ai rien contre vous. Est-ce qu'elle vous a donné quelque chose? Non. Rien. On n'en a pas fini avec vous. La morgue vient d'appeler. Jenny sera là dans une seconde. Il semblerait qu'elle ait du neuf sur le cadavre du Drexler. T'inquiète pas, je lui ai encore rien dit. Tant mieux. Je doute qu'il voit d'un bon œil ne serait-ce qu'un seul rebondissement dans cette enquête. Pourquoi? Parce qu'il est tout entier concentré sur ces deux jeunes, alors qu'il faut chercher du côté de Will Traveler. Vous croyez qu'il est là? C'est sûrement un rendez-vous d'échange. Ils ont 10 minutes d'avance, il est peut-être déjà loin. Ouais, ou alors, ils sont là-dedans et ils nous attendent. On sera vite fixés. On avance avec le cadavre du Drexler. Il s'agit d'un homme de race blanche, corpulence moyenne, jolie dentition. Et du côté de l'ADN? Le logiciel n'a pas encore rendu son verdict. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je sais que tu m'aimes beaucoup, mais... Votre homme, il était mort avant l'explosion. Quoi? Pas de fumée dans les poumons. Rajoutez à ça plusieurs contusions et le cou cassé. Vous voyez là? On note un déplacement entre les vertèbres C3 et C4. Le truc classique quand on veut tuer quelqu'un en une seconde. Burchell et Fogg brisent la nuque de Traveler et laissent le corps dans le musée, ça concorde avec la piste officielle. Attendez encore de voir ça. Je viens de terminer la reconstruction faciale. C'est pas notre homme? On ne sait toujours pas qui est Will Traveler, mais une chose est sûre. Il a survécu à l'explosion. Van est vide. On est complètement isolé, c'est trop risqué. Ça vaut le coup d'essayer. On sait que Will est vivant. Comment tu peux être sûr que Will est encore vivant, Jay? Il y a du sang là-dedans. S'ils avaient voulu le tuer, ils l'auraient fait à la gare. Super, ça c'est réconfortant. Non, non, vraiment. Et alors, on va où maintenant? On va nulle part, tous les trois. Juste après l'attentat, vous avez dit que vous étiez le seul à croire notre version des faits. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait d'autres personnes dans le coup ce jour-là. Qui? On vous lâchera pas avant de le savoir. Et Will, maintenant, on le retrouve comment? Faites-vous une raison. Ce gars-là, c'est pas votre ami. Je vous déconseille vivement de le retrouver. On n'est pas tout seul. Quoi? Restez pas là. C'est une embuscade. Grouillez-vous! Foutez le camp de là! On va nulle part avant d'en savoir plus! Je pourrais pas vous protéger si vous restez! Dégagez! T'arrêtes pas, fonce! Monte, démarre! Bonjour, Will. Qui êtes-vous? Je m'appelle Kate. Ça m'étonnerait que tu te souviennes. On s'est croisés une fois dans une petite soirée. Tu étais tout à fait charmant, sauf que moi, j'avais un petit coup dans le nez. Viens, assieds-toi. Vous faites partie de l'opération Maison? Ouais. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé dans le van.
Tu avais l'intention d'aller trouver Maya? Une planque s'imposait, non? On en reparlera plus tard. C'est pas important. Pour l'instant, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé la fameuse journée de l'attentat à la bombe. Tu crois qu'il a pu leur échapper? J'en sais rien. On va s'en sortir. Essayons de trouver Will. Tu l'as entendu, non? Il a dit que Will n'était pas notre ami. C'est pas ce que Maya a dit, par contre. Franchement, j'adorerais encore croire que l'amitié de Will n'était pas totalement bidon. Et qu'il pourrait nous aider. Mais là... retournez à Deer Harbor. Retournez voir Maya, là. Il faudrait que tu reviennes sur Terre. Retrouver Will, c'est une mauvaise idée. Tant qu'on ignorera qui il est en réalité. Maya a dit qu'il reviendrait chercher la clé. Ça doit être important. C'est ce qu'on va voir. Monsieur, j'ai du nouveau concernant le cadavre du musée. Le logiciel a recoupé la signature ADN. Alors ? Il ne s'appelle pas Traveler, mais Murden. Ça peut être un faux nom. J'en doute fort. Alors, Will Traveler court toujours. Vous avez quoi sur ce Murden? Des comptes chèques, des avis d'imposition et une adresse à Harlem. Excellent, allez chez lui. À vous de voir ce qui relie ce gars-là à Burchell et Fogg. Je charge Randall de relancer les recherches pour Traveler. Espérons qu'on avance rapidement. Marlowe. Bravo. Grimpe. Cette clé a facilement plus de 100 ans. Le gars a pas été capable de m'en dire plus. Il m'a conseillé de m'adresser à un historien. Regarde ça. Je l'ai trouvé sous le siège. Bay Point Marina. Ouais, c'est un reçu pour un emplacement dans la marina de Boston, réservé pour le 12. C'est demain? Oui, il voulait aller à Boston. Et peut-être, je dis bien, peut-être qu'il y allait pour ça. Ouais, Tyler était... totalement partant depuis le début. Ça le faisait rigoler, mais... Jay... a été plus dur à convaincre. Ouais, c'est un mec très droit. Gamin, il était boy scout. Tu l'avais mentionné, c'est vrai. Du thé? Non, merci. Et donc, j'ai laissé Tyler le faire changer d'avis. Il est doué pour lui faire baisser la garde. On est entré dans le musée, mais... ils étaient prêts avec leur roller dans l'aile est à la nuit, juste à temps. Exactement comme prévu. Et après? Vous connaissez la suite, l'aile est a sauté. Ils sont arrivés à sortir comment? Je sais pas. Est-ce que par hasard tu aurais déclenché l'alarme? Bien sûr que non. Alors qui l'a fait? Ça a pu être n'importe qui. Les gens ont paniqué en les voyant dévaler les escaliers. Ils étaient censés mourir dans l'explosion. Tu avais pour ordre d'activer la bombe et de quitter les lieux. La bombe était activée quand je suis arrivé sur place. J'ai suivi les ordres à la lettre. C'est pas moi qui ai changé le plan, c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes qui? Faut y aller, Will. Tout est réglé. On s'est juste servi de toi pour amener tes copains. On s'en va tout de suite. On s'est juste servi de toi pour amener tes copains. Il faisait quoi dans cette salle? Il s'assurait que le travail était bien fait. Will? Il est extrêmement important que je croie à ta version des événements, tu en as conscience? Absolument, mais moi, j'ai juste fait mon job. Vous êtes sorti?
Si tu veux mon avis, à l'évidence, tu as changé le plan, Will. Et donc, qu'est-ce qu'on sait exactement ? On sait que tu ne me dis pas toute la vérité. On sait également que tu as déclenché l'alarme incendie. Une minute. On sait que quand tu as reçu l'ordre d'activer la bombe et de tuer tes copains, tu as hésité. Joseph était sûr que tu flancherais. Et c'est pour ça qu'un deuxième homme était sur place. Je voulais qu'il puisse s'en tirer. C'est tout. Mais c'était pas le plan. Joseph a bien eu ce qu'il voulait. Deux faux suspects. C'était pas le plan. Tu as la mémoire courte. C'est toi qui as postulé pour cette mission il y a 2 ans de ça. Je savais pas comment ça finirait. T'as l'heure ? Je suis en attente. T'en as trouvé un ? Non. Y a rien que des comédiens au chômage. Continue de chercher. Oui ? Bonjour. Ah, d'accord. Excellent. Merci du renseignement. Au revoir. Alors ? La visite historique la plus complète de Boston. Le guide s'appelle Bénédicte, un vrai de vrai. Tu es joueur, Will ? Quoi ? Ma meilleure mission, ça a toujours été Las Vegas. Surveiller les gros joueurs, regagner l'argent tombé dans les mauvaises mains. Et apprendre à déchiffrer les signes que ces milliardaires essaient de cacher quand ils sont assis à table. Regarde-moi. Je lis en toi, alors arrête de mentir. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que oui ou non, c'est clair ? Oui. Parfait. Tes copains Jay et Tyler sont toujours aux abonnés absents. Il est capital que tu nous permettes d'évaluer au mieux l'ampleur de ce handicap. Messieurs, dames, la visite historique se termine ici. Mais une dernière information. Washington en personne voyait dans ce lieu une des plus recommandables tavernes de la ville de Boston. Alors poussez la porte et prenez un verre. Ou même deux. Excellente journée. Merci, merci. Vous êtes Bénédicte Carver ? La visite est terminée. La prochaine est à 6 heures si je tiens debout. C'est pas pour une visite. Je voulais vous montrer un truc spécial. Faudrait pas mieux qu'on aille aux toilettes pour ça. Tu veux me montrer quoi ? C'était à mon grand-père. Il vient de décéder et il m'a laissé cette clé en héritage. Le truc, c'est que je sais pas ce qu'elle ouvre et les serruriers ont pas pu m'enseigner. T'es un de ses fils à papa qui prépare Harvard ? Comment ça ? T'es pas du coin, il me semble. Non. C'est une belle ville ! Perds-toi dans ses rues ! J'ai déjà vu ce genre de clé une fois ou deux. Rien d'original, j'ai bien peur. La lettre B, c'est pour Boston Hall, ni plus ni moins. La bibliothèque de la ville a quelques bornes seulement. C'est la clé d'un casier de la salle d'études. La salle d'études ? On s'est pas vu lors d'une précédente visite guidée. Tu me dis quelque chose ? Non, monsieur. Une prochaine fois, peut-être. Merci en tout cas, ça va m'aider. Ce sont des types ordinaires. Jamais ils ne remonteront jusqu'à vous. Étonnant quand même qu'ils soient si vite adaptés à la vie en cavale, non ? Est-ce qu'ils ont énormément de chance ou est-ce qu'une âme charitable les aide ? Je les ai pas aidés une seule fois. Il n'empêche que tu es soucieux de les savoir à l'abri ? Je t'ai bien observé, Will. Et quand tu mens, je le vois tout de suite. Ça se lit sur ton visage, ces tics, ces hésitations, ça trompe pas. Tu t'es pris d'amitié pour eux, avoue-le. Non. Qu'est-ce que je viens de te dire, à l'instant ? C'est vrai. Tu as perdu ton objectivité alors que tu travaillais sur une mission. Oui.
Est-ce que tu leur as parlé? Pas depuis la bombe. Ils savaient ce qui allait se passer dans le musée? Non. Là, on commence à s'entendre. Tu leur as raconté quelque chose à propos de tes employeurs? Non. Rien, aucun nom, lié de près ou de loin? Rien du tout. Pas un mot au cours d'une soirée arrosée à propos de ton passé ou de ta formation? Rien de plus que ce qui était convenu. C'est intéressant. Tu t'en tires avec les honneurs. Oh, un dernier détail à régler. Tu as fait quoi du tableau? Quel tableau? Mauvaise réponse. Fondée en 1807, Boston Hall est l'une des plus anciennes bibliothèques des États-Unis. Je t'ai dit que j'étais venu il y a quelques mois pour un entretien d'embauche dans un cabinet prestigieux. Tu te serais jamais plu à Boston, Jay. J'en sais rien. Ça a l'air sympa. Qui me voulait New York? Regrette pas. Comme mon père dit souvent, la seule réussite qui vaille est new-yorkaise. Hé. Hey. Si on essayait de savoir ce que Will faisait là? Ouais. Jamais ce que je viens de trouver. J'en frémis de savoir qu'il est mort dans ce musée. C'est vraiment atroce, vraiment atroce. En tout cas, c'est là. C'est l'appartement de Monsieur Merden. Entrez. Oh. FBI, les mains en l'air! Les mains en l'air, en évidence! Je croyais que ce type vivait seul. C'était le cas. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Hé, hey, vous nous entendez? Tu l'as? C'est quoi, ça? T'as vu cette odeur? Eau de Javel. Surveille-le. Personne. La baignoire est remplie d'un genre d'acide. Il nettoyait l'appart en profondeur. Que ce gars est notre ami. Ah, tu parles de quel gars? Steven Swift ou Christian Malbec?
Ouais, il y a ça aussi. La totalité des frais de scolarité de Will. Réglé par le cabinet des trois continents. Tu connais cette banque ? Non, monsieur. Mais ça doit être important. Il a tout photocopié. Faut qu'on trouve un ordinateur. Le tableau, Will. Qu'est-ce que tu en as fait ? Je vous le répète, je sais rien du tout là-dessus. Sur les 9 tableaux exposés dans la galerie S du musée, notre contact au sein du staff de nettoyage affirme qu'il n'en restait que 8. Vous lui faites confiance à 100%. Écoutez, un tableau a peut-être disparu, mais j'y suis pour rien. Oui. Bonjour, Kate. Monsieur. Les vacances vous ont réussi, on dirait. Vous êtes contente de votre séjour aux Seychelles? Ravie. Et vous aviez raison, c'est superbe. Parfait. Vous pensez obtenir ces aveux? Simple question de temps. Ça a déjà trop duré. J'ai pensé à vous parce que vous excelliez sur Chicago. Je suis certaine que nous sommes proches du but, monsieur. C'est lui qui mène le jeu pour le moment. Je fais établir la communication. Faites-le parler et bouclez son dossier. C'est dommage qu'on doive en arriver là, Will. En arriver où ? Dis-lui bonjour. Will ? On est au courant de tes confidences sur l'oreiller. Toi et Maya, votre petite relation. Will ? S'il vous plaît. Je suis désolée, Will. T'aggraves ton cas, là, tu te rends compte, j'espère. Le seul fait de vous trouver dans cet appartement constitue une obstruction et je parle même pas de votre tentative de détruire des preuves. Dites-nous ce que vous comptiez dissoudre dans cette baignoire. Ça vous évitera peut-être de comparaître comme traître. Nos experts sont en train de fouiller le bordel que t'as laissé. Ils finiront par trouver ce que c'était. Sauf que si tu nous aides à gagner du temps, ça plaidera en ta faveur. Ça fait mauvais genre pour vous, non ? Répétez ça. Rien sur le cabinet des trois continents. C'est même pas référencé à la chambre de commerce. Et si on essayait... Si on essayait Derek Sellars, celui qui signe l'échec. Voyons ce que ça donne. Apparemment, on l'aurait soupçonné de délit d'initié il y a quelques années, mais à part ça, aucune trace de lui. Son adresse est à New York, en tout cas. Quoi ? Non. Non ! Là, tu rêves. On cherche à savoir qui est Will. Or, ce gars-là l'a parrainé. Il a tout payé de A à Z. Certains de ses chèques datent précisément de la période où Will a emménagé avec nous. Je déconne pas. Si t'as une meilleure idée, je suis preneur. T'as conscience que c'est une pure folie d'y retourner. Rassure-moi. La seule réussite qui vaille est new-yorkaise. On t'a vu avec Maya. Alors écoute bien. On arrête ce petit jeu et tu me dis où est passé le tableau, d'accord ? Je te conseille de coopérer. J'ai l'impression qu'elle souffre et ça ne fera qu'empirer. Non. Il ne tient qu'à toi de lui venir en aide. Il te suffit de passer aux affaires. Pourquoi tu l'as volé ? Laurent !
Quand j'ai vu le deuxième homme, j'ai su qu'on me faisait plus confiance. Je me suis dit que si je devais disparaître, je le vendrais pour tenir quelque temps. C'est ça ton erreur. Quand on s'amuse à revendre un tel tableau, on attire forcément toutes sortes d'attentions. Et tu t'en doutes, on ne peut pas tolérer ça. Alors où il est? Là! Dans un casier, à la gare. La gare de Grand Central, la rangée du bas numéro 193. Je lis sur ton visage que tu mens. Le tableau, où il est, Will? Je vous tuerai, je le jure devant Dieu. Ça changera pas grand-chose, on la tuera avant, alors dis-moi où est le tableau. Sur le port, dans un container. Tu mens! Je t'accorde une dernière chance. Et si jamais tu mens encore, il la tuera sur le champ. Dis-moi où il est! Il est dans une voiture. Une voiture. Dans le coffre. Quelle voiture? Elle est à La Guardia, une quatre portes dorée. Garée au parking longue durée 3. Plaque d'immatriculation. ANM 56V8. Excellent. Ça, c'est excellent. Non. Tu as fait le bon choix. Relâche-la maintenant. Mais c'est cette arme. Ça risque d'être difficile. J'en suis privée, c'est votre arme. Je t'en supplie. Pourquoi? Je vous dirai ce que vous voulez. Non. Mais je vous l'ai dit pourtant. Je vous l'ai dit, non? C'était un enregistrement. On l'a tué il y a 2 heures. Il ne faut pas s'attacher aux personnes. Ça pardonne pas dans ce business. Qui est derrière la porte? T'as aucune chance. Le bâtiment est surveillé. Il y a combien de gardes? T'es mort d'avance, quoi que tu tentes. Laisse-toi faire et je te promets une fin sans douleur. Allez, donne-moi ça. T'as vu ça? C'est l'itinéraire bidon de notre périple. Il faut lui reconnaître ça. Il s'est foutu de notre gueule comme un pro depuis le début. Tu crois qu'il soutenait les Cubs pour de vrai? Plaisante pas avec ça, il y a des limites, tu crois? T'as pas tort, ça se fait pas de mentir à ce sujet. C'est un sacrilège! Et en parlant de sacrilège, justement... Ouais, tu crois qu'ils vont rechercher des fans des Cubs? Dommage qu'il nous ait sous-estimés. C'est clair.
Les derniers appels reçus sur la hotline. Merci. Quelque chose d'intéressant? 12 appels pour signaler des coups de feu à Deer Harbor dans le Maine. Le coup de fil passé à Doherty venait de là. Les collègues de Boston ont du nouveau? Rien pour le moment. Et du côté des résidus dans la baignoire de Murden? Nos techniciens n'ont rien pu sauver. Les solvants utilisés étaient extrêmement puissants. Je comprends pas. Marlowe? Le prisonnier s'est échappé. On a une évasion! Comment c'est possible? Vous voyez quelque chose, Marlowe? On a un homme à terre! Comment il a pu sortir? C'est folleur. Modulé. Rejoins Jensen. À qui est-ce qu'on a affaire? Tu as étudié les plans du musée? Oui. Bien. La date est fixée, on passe à l'action dans 2 semaines. Le travail que tu as fait depuis 2 ans va s'avérer payant. Je te félicite, tu peux être fier de toi. Merci, Joseph. Il y a encore un tout dernier point à régler qui concerne tes colocataires. Bonjour. On les fera passer pour les poseurs de bombes. Et on fera aussi en sorte qu'ils périssent dans l'explosion. Est-ce que ça te pose un problème, Will? Non. Aucun. Bien. Sache que ton pays t'en sera reconnaissant. Ce petit jeu et tu me dis où est passé le tableau, d'accord? Elle est à La Guardia, 4 portes dorées, ANM 5-6 V8. On les fera passer pour les poseurs de bombes et on fera aussi en sorte qu'ils périssent dans l'explosion. Je savais pas comment ça finirait. Tu t'es pris d'amitié pour eux, avoue-le. Et si jamais tu mens encore, il la tuera sur le champ. Non!